Togolaise, Togolais, j'ai un sourire un peu forcé parce que il se passe des choses au Togo. Il n'y a que ceux qui dorment ou qui sont des touristes existentiels qui ne voient pas que le monde s'écroule, que le monde est dans un magma devant, comment dirais-je, une falaise, devant un précipice, et le Togo est dans ce même cas aussi. Il n'y a qu'à regarder dans la sous-région ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, Niger, au Tchad, au Nigeria, même au Bénin, les attaques comme au Togo, où la plus vieille dictature togolaise vient de prendre en otage l'un des plus exceptionnels journalistes de sa génération, un combattant depuis des années, un exemple, un lanceur d'alerte qui éveille et qui aiguise nos cerveau pour la lutte. Il est pris en otage, confirmation, à Kara, à Lanja. Et Gilbert Barrera et sa clique est à la manœuvre, aux ordres du dictateur Fahaydema. Donc ne vous laissez pas bercer par le message sur son compte Facebook qui a été pris par l'ANR. Lui-même, peut-être il est en train d'être torturé, comme le journaliste Zongo au Cameroun, et nous les devons bien ça à notre ami, à notre frère Ferdinand Haïté. Nous les devons qu'au coup de sifflet, nous sommes dans la rue, nous sommes en train de nous préparer mentalement, nous ne pouvons plus dormir, nous devons être prêts à marcher sur l'un des deux. Nous lui devons à lui comme à Monseigneur Pedro qui a plus de 90 ans, vous avez vu, entendu et vu l'énergie, parce que c'est un combat spirituel qui est en train de se passer. Alors, réveillez-nous, Togolais. 60 ans, avec des faux idoles et je ne sais quoi, hein, vous laissez bercer maintenant avec des youtubeurs de merde qui sont payés la nuit par Haïdema et par l'ANR. Donc, en avant, au coup de sifflet, on marche sur les deux. On marche sur les deux et on va libérer notre frère Ferdinand Haïté. Pas avant.